J'ai l'honneur d'inaugurer aujourd'hui avec les autorités locales un hôpital privé à El Jadida. C'est un hôpital d'une capacité litière de 220 lits, dont 14 lits de réanimation polyvalente et cardiovasculaire, avec des spécialités qui manquaient dans la région d'El Jadida, à savoir le traitement des maladies cancéreuses par un service de radiothérapie et de chimiothérapie dont dispose l'hôpital, plus les maladies cardiovasculaires qui manquaient pareillement pour la prise en charge de ces maladies. Les malades, ils étaient obligés de se déplacer vers Casablanca pour se faire traiter, et avec tout ce que ça comporte comme coût et comme ça comporte aussi également dans le cadre d'urgence comme risque de complications pendant le transport. Donc, c'est un grand jour pour nous parce qu'on va desservir avec cet hôpital avec des plateaux techniques de haut niveau et avec des compétences médicales et paramédicales de haut niveau pareillement, donc qui va permettre quand même à la population de bénéficier d'une certaine qualité de soins et qui, j'espère, être à la hauteur de la confiance de cette belle population de la région de Jadida.